Allez, on se lance. Dans Far Cry 2, il paraît que c'est bien. Enfin, il paraît que c'est, il est mieux que le 5, on va voir. Alors, on va faire une nouvelle partie. J'ai testé Légende, c'est dur. Donc peut-être qu'on va continuer. On va voir. Alors, on a des personnages à choisir. On a plein. On a Marty. Alors, ça fait trop martyr. Ça me dérange. On a Warren. Josip. Paul. Corbani. André. André, c'est pas mal. Hakim. Et Frank. Et Xiang Yong. Donc, chacun a son histoire. C'est pas mal, sympa. C'est sympathique. C'est trop un peu... C'est vrai, Orion, c'est vrai. Je pense Warren. On va partir avec un petit Warren. Agent de sécurité privé. Matriculé en Floride. Protection de personnalité en République Dominicaine, Équateur. Licence de pilote privé aux Bahamas. Ça a l'air sympa. T'avais pas ça sur la Xbox, Saphir? Ah, ils l'ont peut-être modifié le jeu. C'est parti. Par contre, il va falloir me dire si le son est trop fort ou pas. Désolé pour le retard. Alors, on va à un hôtel à Pala. Ah, je vois bien où c'est. Eh ben, vous avez de la chance, il y a encore un hôtel ouvert à Pala. Attends. Tu gueules trop, mec. On va peut-être un peu baisser le son. Parce que quand ça va commencer à tirer, ça va être horrible. Ah, l'avion! Vous voyez cet avion? Bientôt, il n'y en aura plus du tout. C'est peut-être la dernière à décoller d'ici. Plein de gens riches. Maintenant, il faut des relations et de l'argent pour tout être payé. Franchement, il est pas laid hein, pour un jeu caco à 10 ans. Ça va, hein, c'est pas moche. Hein. Mais n'importe quoi, je vous jure. Maintenant, ici, c'est l'anarchie. Ça, c'est danse africaine, c'est bien connu. Ils sont montés sur ressort là-bas, il paraît. Qu'est-ce qu'il veut que je regarde? Y'a quoi là? Bienvenue à Jurassic Park. Eh, pousse là, t'es vache. Pousse tes vaches. Écrase. Tire dessus. Fais quelque chose. C'est de la bonne musique ça, c'est bien. Ça m'étonnerait qu'il revienne, mais... Libération dit la vérité à ceux qui la cherchent. Et cette vérité, c'est que votre pays a besoin de vous. Prenez garde à la paire. Saphir, tu confonds pas avec Far Cry 3. Et ils sautent tous, hein. Ils aiment pas trop l'animateur. Peut-être à cause de sa programmation musicale. Ça va, les mecs. Lui, je l'aime pas. Lui, il me fait peur, lui. Ah,
emmène à l'hôtel en ville. Venez de l'aéroport. Oui, monsieur, de l'aéroport. Messieurs, vous êtes ici toute la journée, hein. Si vous voulez, au retour, je vous ramènerai de la bière fraîche, d'accord? Ouais. C'est bien, la bière. Alors, dépêche. Roule. Là, c'est bien, la bière. Merci, monsieur. Tout à l'heure, monsieur. Far Cry 1 avec l'île, l'île des et les pirates. Oh, sympa. Un petit convoi. Il y a beaucoup de troupes en ce moment. Mais c'est bon. Elles se tiennent à l'écart en général. Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de tester un peu la physique du jeu. Faire de soucis, c'est que des gamins qui s'amusent. Vous savez comment c'est. Ouais, c'est juste des gamins qui s'amusent. Ouais, ils foutent le feu, quoi. Ah, c'est drôle. Je dis pas qu'on va le finir le jeu après, hein. Je voulais juste tester un peu. Je me suis dit pourquoi pas le faire en live. Et voilà, on est arrivé. Et on a un seul morceau. Monsieur, ça va ? Vous avez pas l'air bien. Fatigué ? Oui, fatigué, ouais. Je suis d'accord, Orion, c'est vrai. C'est qui fouille mes affaires là? La présence de la cible dans le pays continue d'être une influence déstabilisante. Il est en grande partie responsable de l'entrée récente d'armes dans le pays, en violation avec le programme d'union des signataires. Sa réputation de dangereux marchand d'armes est amplement méritée. Les ordres sont de l'éliminer. Ça ouais. A marché comme il l'espérait. Je respire encore et c'est toi qui as la malaria. Tu peux le faire, essayer, mais ça suffira pas. Hein. T'es viré, t'as eu ta chance, mais maintenant c'est fini. Puisque les hommes comme toi travaillent que pour l'argent, t'es plus un problème pour moi. Va devoir trouver autre chose à faire maintenant. Tes anciens clients ont pas l'air de comprendre qu'ils peuvent pas me tuer. Tu comprends ce que je dis? Personne peut me tuer, personne. C'est moi qui décide qui vit ou qui meurt, moi seul. Tu sais, j'ai lu un livre il y a longtemps, et j'y pense encore chaque jour. Ça m'aide à comprendre la vie. Le livre parle des hommes. De c'était quoi le livre? Twilight? L'essence la plus intime de l'être est la volonté de puissance. La vie serait vouloir et pouvoir, rien d'autre. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Donc on a la malaria, c'est cool. Ok. Ah.
On peut se baisser. Baisse-toi, avance. Appuie sur le bouton droit de la souris, maintenez enfoncé pour viser, le bouton gauche pour tirer. Appuie sur R pour recharger. Merci. J'aime bien comme il récupère les armes. C'est plutôt sympa. Salut mec, ça va ? Je sais pas où on va, mais on y va. Putain ! Ok, je brûle, on se fait tirer dessus, c'est l'apocalypse. C'est déjà un peu plus mouvementé que le 5. Ah ouais, carrément. Et voilà. C'est fini. Donc c'était la fin. C'était Far Cry 2, j'espère que vous avez aimé. À la prochaine. Ah. Soignez-le vite avant que ça s'infecte. Alors... On a pris des balles. Oh. Par contre, c'est violent les. Comment ils soignent le mec. Hein. Non, faut faire gaffe. Idiot. Pour qui tu travailles? C'est mes hommes que t'as tués à l'hôtel. Tu sais ça? Alors maintenant, tu fais ce que je te dis de faire. J'ai des trucs à te demander. Ça va. J'en ai tué un. Ça va. Ce que tu veux. Dépêche-toi. Il est plutôt sympa. On lui a quand même tué ses mecs. Mais tranquille. Ouais, c'est pour sauvegarder. Continue sans sauvegarder. Ça va, mec. Oh. Donc on a trois armes. Principale, secondaire et spéciale. Et le... la machette. Bon, par contre, en fait, j'ai testé avant le jeu... Et là, on commence pas au même endroit. Donc à chaque fois, je pense qu'à chaque personnage différent... Enfin, à chaque personnage, c'est différent, là. Sympa. Le début. C'est vraiment le foutoir, Abala. On est censé avoir un cessez-le-feu, mais les accords sont bazardés. Je travaille pour un gros bonnet, Kakumba, le chef local du front. Tous mes hommes qui sont pas des gros incapables ont été envoyés sur le terrain pour combattre la PR. Alors il reste que toi pour faire mes courses. Premier truc, tu dois remettre cette foutue auto en état de rouler. Tu sais le faire ou t'es un gros incapable. Va okay. Et débrouille-toi pour faire démarrer le moteur. Ils sont sympas ici au moins. Si tu fais rien, tu t'évanouis. Tu peux mourir. Très mauvais ça. Garde. Si tu fais rien, tu peux t'évanouir, tu peux mourir. C'est très mauvais, sans deck. Laisse-moi passer, merci. On a ça, on a la machette, on a notre flingue, et apparemment on a un putain de lance-flamme. On a un putain de lance-flamme, c'est super. Déjà j'adore le jeu quoi. Ok, on va réparer la voiture, parce qu'apparemment tu dois réparer les voitures. Dans les recettes. Ah oui, tu mets un peu d'alcool et ça se... Oui, c'est vrai, ouais. Il l'a bien vécu, hein, le fait qu'il ait perdu la main et qu'on lui ait recollé vite fait comme ça, là. Dans Resident Evil 7. Alors après, on a ça. Alors ça, moi, je suis super fan. On a le GPS et tout. Et après, je crois que c'est quoi? C'est R, voilà. Pour la taille de la map. Ah, c'est cool. C'est vraiment sympa. Voilà. C'est bon. Oh putain, oui. R. Ouais, en fait, on est toujours dans le tutoriel. Appuyez sur pour replier votre map. Carte, ok, ça marche.
C'est bon, on peut y aller. Oui, je sais. C'est bon? C'est bon ou pas? Ah, téléphone. Parce qu'on a du réseau en Afrique. Ok, bien. Maintenant que t'es sur pied, tu dois me débarrasser des ordures. La PR a un poste avancé à 1,5 km au sud d'ici. S'il arrive quelque chose au salopard qui occupe ce poste, je serai bien content. Cool. Ok, cool. J'aime bien aussi le... on peut, vu qu'on peut pas vraiment regarder la carte, on a le... Enfin, après, on peut l'afficher comme ça, mais on a le GPS et tout. Franchement, c'est super bien, ce système. Ils auraient dû le garder. Ils auraient vraiment dû le garder. Comme ça, t'as pas besoin d'aller dans le menu, en fait. On va peut-être suivre la route, peut-être. Les arbres. Oh, on peut détruire les arbres. Ou pas. Je teste. Je fais des tests. Le lance-flamme, ça va pas durer longtemps. Ouais, il est tout, il a l'air d'être tout rouillé, le truc. Je vais te faire des tests. Voir le flingue. Pourquoi y a pas ça dans le 5? On peut détruire celui-là? Oh putain, ça tue. Ça tue. C'est terrible. Et on y va. Il n'y a pas de radio à la con, ça c'est cool. Ah, 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 ah ouais, pas mal ça. Je me suis peut-être un peu garé trop devant, quoi. Peut-être une connerie. Ils ont l'air d'être super réactifs par contre. Ça va mec? Ah, ah. Ah, il sort le flingue. Ah, attends, je recharge. Ah, vache. J'étais en train de recharger, bordel. Ok, oui, des grenades, merci. J'ai entendu que t'avais nettoyé l'endroit. Ok, j'ai une autre corvée pour toi. Mais t'es si malade que tu y arriveras pas. Va dormir, reprends des forces et remets-toi en route que dans quelques heures. T'es chez toi ici, tranquille. Tranquille. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme armes? C'est les mêmes. Par contre, je crois qu'il n'y a aucun moyen de ranger son arme. Alors, les plans peuvent être améliorés en travaillant avec vos partenaires. Pour l'instant, on n'a pas de partenaire. Je dois acheter des caisses. C'est quoi ça? Ok. C'est doté de grenades et de cocktails Molotov. Ok, cool. Ah, c'est sympa ce système. C'est cool. Far Cry Predator, qu'est-ce que c'est que ça?
toi en éclaireur pour surveiller une position de la PR au sud. Un grand endroit avec des combats de coq, tu connais? Je veux que tu fasses une reconnaissance. Il y a un point d'observation marqué sur la carte. Vas-y maintenant. Ok, cool. C'est par là-bas. Par contre, c'est un peu sombre, ce jeu. Vachement sombre. Je trouve. Comparé à... On peut pas un peu changer ça? Bof. T'as jamais joué à Far Cry 2 du coup? On t'a menti. Fort possible. Et on doit faire quoi? Parce que j'ai pas regardé. Le temps m'a demandé d'espionner le camp ennemi depuis le pont d'observation sur la carte. Plutôt que de lancer l'assaut sur le camp, prenez direction le chemin de traversée, effectuez les reconnaissances d'un camp pour donner un avantage décisif sur vos ennemis. Question de vue, ça marche. Vous avez pris votre carte, vous pouvez appuyer sur le bouton droit de la souris et maintenir enfoncé pour utiliser votre lunette afin de cibler les éléments d'un camp. Ok, cool. Tu veux que je marque quoi exactement? Parce que là, on voit pas grand chose. Bon, par contre, le zoom, il est peut-être un peu démesuré, non? Ça marque pas de repère, hein, par contre. Hein. Ça marque que dalle. Je sais pas. Ah! Oh! Ok. Ah. Ok. Ah. C'est pas discret ça par contre. J'ai eu tes renseignements. Pas mal. Tu vois un bâtiment en briques un peu plus bas? On pense que la PR garde un otage à l'intérieur. Un étranger comme toi. Vas-y et vire-les. Termine ta reconnaissance si tu penses que c'est utile. Ouais, les ennemis, ouais. On en a vu un. On a plus rien d'autre. Par contre, c'est con, on peut pas choisir le zoom. Bon, on y va. Let's go. Bâtiment en briques, c'est celui-là. Il me voit pas d'ici. C'est qui ça? Est-ce qu'on a du... Est-ce qu'on peut les assommer furtivement? Ou alors il faut sortir la machette? Oh, ah, carrément. Ok, 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 ok. Ça. Ils sont violents ici.
Putain, mais c'est quoi ces mecs? Je vois que dalle. Je vois rien. C'est énorme. Les balles travers, j'avais un peu oublié ça. Ils sont violents ici quand même. Putain. Bon, par contre, j'ai foutu le feu. Oh la vache. Le feu, c'est tout. C'est terrible. A plus, Gul. Faudrait que tu streames les Resident Evil. Ça va être drôle. Ok. Il y a un fusil à pompe. Est-ce qu'on prend le fusil à pompe? J'en sais rien. Par contre, j'avoue que le coup du feu est vraiment sympa, quoi. Vraiment stylé. Ouais, il est où l'otage? Il m'a dit un bâtiment en briques, un peu plus bas. Ça? Ouais, pousse-toi. Toc toc. Oula. On va sauvegarder pendant qu'on est en train de crever. T'as fait tout ça? Où sont les gardes? Ça, c'est une vraie malaria. Ça, c'est une vraie malaria. Alors, vous avez un partenaire maintenant. Au cours de vos missions, votre partenaire préféré vous contactera pour vous proposer d'autres moyens et les accompagner à gagner plus. Ok, cool. Maintenant, on se sépare. Et ensuite, on se retrouve au bar chez Miles. Je connais quelqu'un qui peut te donner des médicaments. Ok. Oh putain. Incapable après tout. D'accord. Les types qui font le travail doivent être payés. Reviens à l'abattoir et je m'occuperai de ça. Ouh. Ok, du coup on va où? Hop. Ok, on retourne là-bas. J'avoue que c'est beaucoup plus hardcore que le 5 pour le moment.
Alors que j'ai fait le 5 dans la difficulté la plus élevée. Hein. Peut-être pas le bon. C'est pas grave. On est garé, on est bien. Par contre, le mec il se fatigue super vite. Oh la vache. Reste avec nous. Reste avec nous. Yeah. C'est la seule monnaie valable par ici. Prends pas les billets, ça sert à rien. Même pas comme papier toilette. Tu travailles pour l'UFLL, t'es payé avec des cailloux. Yeah, ok. Hier, un de mes hommes pas très malin ramène une valise de diamants ici. Cet idiot cache la valise quelque part dans le camp et il prend une balle en pleine tête en ville juste après. Peut-être que c'est toi qui as tiré. Mais bon, si tu trouves les diamants dehors, ils sont à toi. La valise a un traceur, tu pourras la localiser avec ta boussole. Si t'es malin, tu files acheter des médicaments. Faut pas traîner avec la malaria. Tu devras aller prendre un verre au bar chez Mike's. Il y a beaucoup d'indépendants là-bas. Soigne-toi, et après viens au bureau du front en ville. Je te présenterai Gakumba. Après, on discute. Hé, hey, ouvre la porte. Waouh, ça fait beaucoup d'informations à la fois. Alors, parfois lorsque votre carte est dépliée, vous pouvez voir une lumière verte qui clignote sur votre GPS. Elle indique une mallette de diamants à proximité. Plus vous vous rapprochez de celle-ci, plus la lumière clignote rapidement. Quand vous regardez dans la direction, la lumière verte se reste allumée. Ok. On peut prendre plus de munitions ? Non. Alors. Par là-bas. Oh putain. Bah, ça doit être juste là alors. Indique, oui. C'est ça? Non. Ah, voilà. Yeah. Quand vous prenez une mi faible, passez à l'armurerie chez Mike pour acheter des armes neuves, éviter ces calzures. J'adore la carte. Je suis fan de la carte. Ok, on doit aller là-bas. Pour l'armurerie. Utiliser l'ordinateur de l'armurerie pour acheter des nouvelles armes. Ok, c'est là-bas. Je l'ai mis où mon 4x4. C'était là-bas, je crois. Oh la vache. Bon, le mec, il peut pas sprinter, quoi. J'ai mis où le 4x4? J'ai envie de tout faire cramer, comme ça on y verra un peu mieux. Pas de voiture, rien.
Ah, là-bas, non. Je crois que c'est là-bas. Farhalia n'a pas de repère lumineux dans le décor pour t'aider à te repérer. Ouais, je vois ça. Ah, voilà. Regardez à droite, gauche comme ça. Je crois qu'on a les sauvegardes rapides aussi, non? Sauvegarde. On peut sauvegarder où on veut? Oh. Ah oui. D'accord, on peut sauvegarder où on veut, ça va. Cessez-le a été décrété sur la ville, vous pouvez tirer sur personne, sinon vous serez abattu, conseillez votre carte. Ouais. Ok, cool, ça c'est cool. Donc on a des villages où c'est que... où on est à l'abri quoi. Merde. Pas la bonne route. Enfin, quoique. Non. Voilà. On est bon. Il y a le cessez-le-feu dans les petits villages. Oula. Bonjour. Ok, ce bâtiment est une armurerie. Quand le marchand d'armes est là, on propose des missions pour débloquer de nouvelles armes et des équipements achetés par ordinateur. Pour le moment, le marchand d'armes n'est pas disponible. Repassez plus tard. Super. Oh, wow. Putain, tout ce qu'il y a. Il y a tout ça. Et dans Fallout 4, il y a Far Cry 5, il y a rien en armes. Tu te fous de ma gueule? Manuel, améliorer la précision, équipement, bandoulière. Waouh, ça tue. On a le fusil d'assaut, je sais pas quoi prendre. Enfin, y a pas trop le choix non plus. Payé, yes. Doudoudou. Cool, les armes achetées sont toujours en parfait état et elles sont disponibles à tout jamais quoi, en gros. Cool. Sympa ce système.
La dernière arme, c'est quoi? Un EEI, je sais pas. Un missile? J'en sais rien. On a le mortier lance-flamme, là, les grosses M60 et tout ça, lance-roquettes. Ça, je sais pas. Ok, du coup, on fait quoi maintenant? Alors, passez à l'arsenal pour récupérer votre nouvelle arme. Ah merde, j'ai pas récupéré ma nouvelle arme en fait. Faut la récupérer où, là? Parce que je l'ai commandé, mais... Le G3KA4. Je suis censé faire quoi? Le mec il est pas là, faut que j'attende. Quoi, c'est du C4? J'attends que le mec revienne ou quoi? On va passer la nuit? Ouais. Dormir? Ok, ça marche. Là, du coup? Est-ce que le vert, c'est un endroit pour se reposer? Oh la vache. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Ah! Bonjour. 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 Tout le monde dort en fait. Merde. Chier. Ouais, faut trouver un endroit pour dormir. Faut trouver une planque. Là, on a les armes. Ah! Oh mon dieu, c'est quoi ça? Pourquoi on a ça? T'as vu tout ce qu'on a, la vache? Au lieu du flingue, on peut avoir ça. Ah ouais, carrément. Et au lieu du lance-flamme, ok, ça marche. C'est cool. On va le faire un peu plus discret. On prend des munitions parce que pourquoi pas. On prend des cocktails parce que pourquoi pas. Oh la vache. Ah, elle est là l'arme, en fait. Oh, c'est terrible. Ok. On a un fusil à pompe silencieux. C'est pas mal. Trouver quelqu'un chez Mike qui puisse me fournir en médicaments. D'accord, ça marche. Ah mais ils dorment les gens. À quoi que maintenant, puis il y a peut-être des gens en fait. Peut-être que ça... Ouais, voilà. Tu te rappelles de moi? Ou peut-être pas. C'est pas grave. Je m'appelle Yossip. Alors voici votre partenaire préféré. Grandira le plan que sera meilleur. Ouais. Un malade est ici. Il a besoin de médicaments. Pas de problème. Ce mec-là, il a des médicaments. Plein. Demande-lui. Lui là-bas. Des fois, si t'as des problèmes, tu viens me chercher, je t'aiderai. Cool. C'est toujours bien de te voir. Ouais, quoi. Un second partenaire préféré.
Si on tombe au combat, vous pouvez compter sur lui pour secourir. Hey, attends un peu. Putain, il assure. Hey, attends un peu. T'es nouveau ? Si je peux faire quelque chose pour toi, mec, t'as qu'à demander. Tout ce que tu veux, je le peux. Arme à feu, explosif, combat à main nue. Donne-moi... Vous n'arrêtez jamais. Voilà la fichue cassette, d'accord ? Voilà, c'est tout ce que j'ai. D'accord. Et alors ? Vous n'allez pas la détruire ? C'est ce que font vos amis en général. Attendez, vous n'êtes pas ici pour les cassettes, c'est ça ? Oh, je vois. Vous devriez aller chercher des comprimés à l'église de Pala. Le prêtre vous aidera. J'espère que vous tiendrez le coup. Merci de lui faire passer ça. On ne peut pas briser okay. un homme comme on pourrait briser un chien ou un cheval. Plus tu frappes un homme. Ce que je fais de mieux, c'est aider les gens. J'aide presque tout le village au pays. J'ai 10 nièces et 12 neveux. J'ai pas d'enfants ? Bien, il vaut mieux. C'est pas un endroit pour eux. Bon, on y va. Tu viens ? Ok, ben je vais me faire foutre, ça marche, merci. Bon, on va aller chercher nos pilules. Ça marche. C'est parti. Qui c'est qui a garé sa voiture comme ça ? Oh ! Il y a des diamants ici. Non ? Je sais pas, ça clignotait vert dans la voiture. Apparemment non. Je sais pas, c'est bizarre. C'est à moi. Parfait. Ah ouais, merde. Comment on va faire ? Sur le côté. Eh ouais. Encore un diamant pas loin. Ok. C'est quelle maison ? C'est juste là en fait. Non. Trouvé. Eh, padre. Il n'y a pas d'office prévu pour le moment. Oh, vous n'allez pas bien. Vous allez vraiment avoir besoin d'un prêtre. C'est Ruben qui vous envoie ? Il a quelque chose pour moi. Je serai heureux de vous aider en retour, même si je n'ai que peu de médicaments. Je crois que vous devriez en prendre tout de suite. Alors, utilisez-la pour prendre vos traitements anti-malaria.
fera effet qu'un moment, mais je sais comment en avoir plus. Tous mes paroissiens ne sont pas partis. Beaucoup sont coincés par peur des représailles s'ils se faisaient prendre en train de s'enfuir. Et d'autres ont choisi de rester. Nous essayons d'apporter de l'aide et vous pourriez nous être utiles. Vas-y, finis ton histoire, mec. Vous devriez revenir quand vous aurez besoin d'autres médicaments. D'accord. Ça, c'est plutôt sympa. Vous venez de terminer de taxer l'émission d'entraînement. Anto Kankaras va maintenant vous présenter à Léon Kagumba, au PC de l'UFLL. Ah, les compris vont tenir un matériel sous contrôle, vous pouvez partir en exploration. Les planques sont débloquées, améliorées. Il faut perquisitionner les postes de garde pour obtenir des renseignements. C'est un point de la région que vous trouvez des diamants, ok. Les diamants vous servent à acheter des armes que vous débloquerez en acceptant des missions annexes à l'armurerie. Vous pouvez recevoir des missions annexes où vous apportez des diamants, des armes, ok. Vous pouvez aller en sécurité avec l'arrêt de bus et les autres arrêts dans la même zone. Sympa. Rod, un marchand d'armes qu'on ne connaît que sous le nom de Chacal. Il a vendu des armes à la fois. Chaque balle, chaque arme, chaque corps que vous croisez jusque-là renvoie directement à lui. Trouvez-le et abattez-le. Ok. Ça, c'est sympa. Bonjour. Toujours la même règle, pas d'armes. Pas d'armes. Ouais, enfin, j'ai des armes sur moi, quoi. Oh, ok. J'y vois un vrai problème. Les gens pourraient facilement croire que j'ai ordonné cette attaque. Regardez leur équipement, regardez ce qu'ils ont. Soldats qui louent ces services personnels se vendent à quel prix en ce moment? Nous battons pour l'UFLL. Appelez-moi Docteur Gakumba. C'est bien que tu sois là. On a besoin de mercenaires. Dites-lui. Bien, allons droit au but. Ils attendent dans le désert au sud. Trouve le peloton et détruis leur équipement. Ce sera bien fait pour leur gueule. Voilà le paiement. Wow. Ok. Ils sont sympas quand même d'engager un mec comme ça qu'ils connaissent pas. Alors, détruire le matériel du commando étranger. Le commando étranger se cache l'oasis au sud-est. Il se prépare à kidnapper une personne de valeur sur le territoire. Retour d'être tenu pour responsable. M'envoyer de détruire leur matériel pourrait forcer à abandonner leur mission. Ça marche. Genre, il faut taper à la porte pour sortir. Ici Yossip, rejoins-moi à l'endroit sécurisé à 1/2 km au sud de la ferme de production. Oh putain, va là. Alors, en bleu, c'est qui? Alors, soit détruire le matériel de commando à l'étranger, soit aller voir Yossip, qui aura peut-être mieux à me proposer. Ça y est, ça commence déjà. Les choix. On va aller au bleu, je pense. Bon, ça va. Je t'ai à peine bousculé. Fais pas chier. On va aller au bleu.
Oups. What? C'est quoi ce que je tire? Des fléchettes explosives en fait. Bon, par contre, je suis un peu dans la merde. J'ai qu'un fusil à pompe. Merde, je fais comment moi? Ah ah. Ça va, mec? Bon bah voilà. Je pensais pas que c'était des flèches explosives. Merde. Je pensais que c'était pour tirer, pour tuer silencieusement. Bon bah voilà. Ok, cool. Alors par contre, j'ai vu sur la map, il y avait un... Ouais, il y a un truc là-bas. Là. On va y aller, on va voir ce que c'est. Enfin, une planque, normalement, ça. Non, le pistolet, je l'ai enlevé pour le... pour le fusil à canon scié, là. Le petit fusil. Ouais, peut-être que je le prenne, le pistolet. L'air d'avoir qu'un mec. Je sais pas si je le tue de là. Ah, le mec, il se cache. Le mec, il est... Il est parti à l'abri, ce connard. Il est où? Par contre, il a laissé son arme. Ah, énorme. Oh, là. Oh. Ok. Eh, mais je rêve ou l'intelligence artificielle, elle est... Elle est 15 fois plus intelligente que dans Far Cry 5. Bon, on va dormir un peu. Ah mais c'est énorme le coup du mec qui se relève, qui rampe et qui se fout derrière l'immeuble. C'est super. C'était terrible. Ok, on est bon. Wow. Un gros camion, ce qu'on a.
Ça tue. Cool. Bon, par contre, je me suis foutu dans la merde. C'est bon. Faudrait peut-être que je suive la route. Peut-être que je suive la route. Je vais y arriver, hein. Je vais y arriver. Oh la vache. On y est. Il y a une planque apparemment là-bas. Attends, par où tu veux que je passe? Par la droite. Ah ah. Des gens. Attends, il y a un truc bizarre. Merde. T'es au courant pour ce livre? J'ai tiré une balle dans le pied hier. Y a qu'à espérer qu'il se tire dans la tête la prochaine fois. Ah ok, je crois qu'ils m'ont vu. Ah merde. Ah mec. Oh putain. Faut qu'on trouve une autre arme. Ok, je crois que j'ai fait le ménage. C'est quoi ça? De l'eau? Ah, ça remet de la vie. Ok, cool. Ok, cool. On a fini. Enfin, on a fini. On a réquisitionné l'avant-poste. Continue. Ça c'est plutôt cool, moi j'aime bien, j'aime beaucoup. Non. Une Jeep rouge. Excusez-moi, je passe. Merci. Je crois que j'ai cassé un morceau de la Jeep. Ah oui, il n'y a plus le... Le bumper, oh il est là. Ah, c'est énorme le pare-choc. Oh la vache, on a pété le pare-choc.
Là on est cool. Oui, je suis ici. L'argent. Yeah. Mais ça. Alors, les forces spéciales nous font une petite visite. On va leur souhaiter la bienvenue. Toi, tu vas à la villa. Trouve le petit homme belge et ramène-le à la radio. Là, il donnera au sol. Peut-être que t'as déjà tout l'argent dont t'as besoin, cowboy. Alors, les forces spéciales nous font une petite visite. On va leur souhaiter la bienvenue. Toi, tu vas à la villa. Trouve le petit homme belge et ramène-le à la radio. Là, il donnera aux soldats de mauvaises coordonnées. Ok. Ces hommes, ils sont trop forts. On les attaque dans le désert, on perd. Alors, on va les attaquer dans le bidonville. Après, tu attends, ils sont pris dans le piège et tu passes à l'action. Les soldats sont là pour arrêter un mec qui vole des médicaments. Tu sais qui c'est ? Moi. Alors, au bidonville, ils auront une surprise. Ils vont retrouver plein de marchandises qu'on leur avait volées. Ils prendront peut-être le matériel et ils oublieront l'homme qu'ils viennent arrêter. Ou peut-être qu'ils voudront l'attraper quand même. Dans les deux cas, je suis prêt. Mais j'aurais peut-être besoin d'aide. C'est bon ? Trouve le petit homme à la villa. Avec toi, il donnera de mauvaises directions. Par contre, le truc, il est mal en point, hein, mais ça va être cool, ça va être drôle. Ok, donc du coup, on part où ? Ah, peut-être sauvegarder avant.